C'est à l'espace culturel de Romba que s'est déroulée deux cérémonies des vœux la semaine dernière. Une tradition respectée chaque année, mais qui cette fois avait une saveur particulière en raison des élections municipales à venir. Un devoir de neutralité de la part des élus que doit également prendre en compte Romba Télévision. Première cérémonie, celle de la communauté de communes du pays Orne-Moselle. Unie sur l'essentiel et divisée sur l'accessoire, voilà les mots prononcés par Lionel Fournier, président de la CCPOM, à ses collègues élus des 13 communes, mais aussi aux salariés et partenaires de la communauté. Petite enfance, développement économique, aménagement de l'espace, environnement, habitat et économie d'énergie, voilà des thèmes fédérateurs qui devraient rester au centre des préoccupations de l'ensemble des futurs élus. Monsieur le maire, cher Lionel. Le lendemain, le vendredi 10 janvier, c'est en qualité de maire adjoint que Robert Pierrand a ouvert la cérémonie des vœux aux forces vives de la ville. Élu, membre d'associations sportives, culturelles ou patriotiques, mais également partenaires sociaux et économiques. Il a ensuite passé la parole à Lionel Fournier, maire de la ville. Je vous remercie parce que vous êtes les forces vives de Romba. C'est vous qui faites vivre la ville. C'est par vos associations, et on ne le dit pas assez, que le bénévolat est quelque chose de fondamental dans notre vie associative. Parce que c'est à travers vous, et je sais que, et je vois que vous regardez le diaporama et les nombreux événements qui se déroulent sur la ville de Romba et qui montrent la richesse de nos associations, de vos associations et de vos activités. Après avoir souligné le lien du vivre ensemble nécessaire dans toute collectivité, Lionel Fournier a rappelé les différentes actions entreprises en 2013 par la municipalité. Puis, il a adressé ses vœux de fraternité, de solidarité et de santé à l'ensemble des personnes présentes. C'est le verre de l'amitié qui est venu clôturer cette cérémonie.